Et on rentre dans le vif du sujet. Non, comme ça, ça ne passera pas. Yarmolenko. Dans le dos de la défense. Oh, Mario Götze. Ça va sur l'aile. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Pour trouver la faille dans la défense. Mesut Özil. Va-t-il en profiter ? Il glisse le ballon en profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Yarmolenko. Rotan. C'est joué long, attention. Attention, la frappe. Il joue dans l'espace. Bonne interception sur cette passe en profondeur. Oh, Mario Götze. Rakitski. Shevchuk. Rotan. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le geste plein d'autorité, quel tacle. Schweinsteiger. Mesut Özil. Il cherche son coéquipier. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Oh, Mario Götze. Il n'arrive pas à se rapprocher. En retrait vers son gardien. C'est dégagé. L'Allemagne qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. Il prend sa chance. Et il est là, le gardien. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Shevchuk. Conserver la balle, mais il faudrait penser à attaquer, messieurs. Müller et ce magnifique tacle glissé. Stepanenko. Shevchuk. Ils tiennent le ballon, mais ils n'en font pas grand-chose. Il n'a pas hésité, c'est propre. Pour trouver la faille dans la défense. Attention, la frappe. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Oh là, c'est chaud, quel tacle. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Cacciarini. Schweinsteiger. Oh, la frappe. But pour l'Allemagne. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Et qu'est-ce qu'il a bien frappé dans la balle? Les gardiens n'avaient aucune chance. Ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Shevchuk. Rakitski. Cacciarini. Il n'a pas hésité, c'est propre. Oh, la grosse occasion. Ouais, il faut un peu plus s'appliquer sur ses corners. Essayez de s'appliquer sur ses corners. Mais ça ne passe pas. Le gardien n'avait même pas bougé. La chance qu'il a.
Cacchieri. Yarmolenko. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Il était bien présent. Longue ouverture. Yarmolenko. Rotan. La passe est précise. De la jouer dans l'espace. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. L'arbitre a sifflé, faute. Cacchieri. Stepanenko. Rotan. Oh, le petit ballon piqué. Mario Götze. C'est une frappe. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un seul petit but d'écart entre les deux. Et c'est reparti. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Et oui, il faut coup franc. Chevtchouk. Le voilà servi. C'est joué loin devant. Il est tout seul dans l'axe. Long ballon dans le sens du jeu. Retour à l'envoyeur. Encore une bonne intervention. Stepanenko. Yarmolenko. Oui, ils soignent leur pourcentage de possession, c'est toujours ça de pris. Schweinsteiger. Un long ballon vers l'avant. Yarmolenko. Quelle solidité, bien joué. Chevtchouk. Rakitski. Cacchieri. Yarmolenko. De la construction tranquille, un peu trop peut-être. L'arbitre sort un carton jaune de sa poche. Transversale. La défense bien présente. Pour trouver la faille dans la défense. Énorme occasion. Et oui, but. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Quelle frappe monstrueuse, c'est imparable. Alors là, c'est tout simplement beau. Dans l'intention et dans la réalisation. L'Allemagne vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc.
Shevchuk. Kacheridi. Quelle solidité, bien joué. Oh, l'aspiration! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. C'est joué long, attention. Rodan. C'était bien fait côté droit, mais il a besoin de soutien là. Il peut frapper! Ça va soulager un peu. Mario Götze. Toni Kroos. Et ce magnifique tacle glissé. Müller. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Quelle reprise de volée! Stepanenko. Rodan. Shevchuk. Encore une bonne intervention. On est dans le dernier quart d'heure. S'il le trouve, et il jaillit pour prendre ce ballon. Müller. Quelle course sur l'aile droite, mais il faut l'aider maintenant. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Franchement, attendre aussi longtemps pour faire son premier changement, alors qu'on a deux buts de retard, pour moi, c'est incompréhensible. Yarmolenko. La faute. Il glisse le ballon en profondeur. Ce serait une remise en jeu du gardien. Kacheridi. Goussiev. Ils tiennent le ballon, mais c'est stérile pour l'instant. Il a pris tout le monde de vitesse. La défense bien présente. Schweinsteiger. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Goussiev. C'est puissant sur l'aile. Oui, bonne intervention de la défense. C'est joué court à deux. Quelle solidité, bien joué. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il passe en retrait au gardien. Le danger est écarté. Müller. C'est bien fait ça. Rodan. Encore une bonne intervention. Il y a du mouvement. Shevchuk. Dans le dos de la défense. Il progresse encore. Et voilà un coup franc qui pourrait bien sceller le sort de cette rencontre. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. De réparation. Le dégagement. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et un score qui reflète
la physionomie de ce match, on s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie avec le football. C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence.